Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4. Donc regardez, élimination avec un piège à gauche, là vous pouvez voir qu'il y a 1 sur 1 et fouiller les 7 boîtes de munitions. Donc ça je l'ai fait après, mais bon bref, je vous ferai le tuto après. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment éliminer une personne avec un piège super facilement et franchement ça fonctionne avec tous les défis comme ça. Donc tous les défis futurs à venir, je pense que ça ne sera jamais patché parce que ben voilà, éliminer une personne avec un piège c'est déjà très difficile. Donc voilà, je pense qu'ils laisseront toujours comme ça. Donc c'est une astuce qui fonctionnera tout le temps. Donc là je vais tout simplement vous montrer comment j'ai fait mon kill. Donc là vous allez voir, je vais ramasser mon piège, voilà, qui est juste là dans la pièce. Donc maintenant j'ai un piège, il me faut plus qu'une personne à tuer. Donc j'entends une personne qui court derrière la maison, voilà, je le vois. Boum, je lui fais un one à 180. Donc au début je me dis, ben je vais le laisser comme ça. Et je vais attendre que quelqu'un vienne le soigner. Pour avoir le kill, un deuxième kill quoi. Et là il y avait personne qui venait, donc là je me suis dit, putain attends vite, il faut que j'aille vite le tuer avec mon piège. Et après ben je suis simplement retourné près de cette personne. Donc j'ai pris du matériau bien sûr. Je suis retourné près de cette personne. J'ai mis un sol. En plus il bougeait pas. Vous allez le voir. Regardez. Hop voilà, il bouge pas. Je mets un sol. Je mets le piège. Là il commence à bouger pour pas que je fasse mon défi. Bah je l'enferme bien sûr. Je l'enferme. Et regardez. Le piège il est terminé. Et j'ai bien eu les kills. Enfin j'ai bien eu le kill validé. Donc maintenant tout simplement je vais aller jusqu'à la fin de la game. Et je vais vous montrer que ça a bien validé le défi. Donc je viens de remarquer que j'avais pas sauvegardé la fin de la partie. Donc je suis retourné sur mon jeu pour vous montrer que j'ai bien fini tous mes défis. Donc je vais à la semaine 4 et vous pouvez remarquer que l'élimination avec un piège a été validée. Donc peut-être que certaines personnes ne vont pas me croire comme j'ai pas pu montrer la fin de la game. Mais je vous assure que ça a bien fonctionné. Donc ceux qui le font, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça a bien fonctionné pour faire comprendre aux autres que ce n'est pas de la mytho. De toute façon je mytho pas. Et faites-moi confiance, essayez, vous éliminez un adversaire avec n'importe quelle arme et puis après vous le finissez, donc vous l'éliminez avec votre piège, et bien vous allez voir que ce sera validé. Donc voilà, merci à tous ceux qui likeront cette vidéo, merci à tous ceux qui partageront et merci à tous ceux qui sont abonnés. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.